Jürgen Klopp qui annonce son départ de Liverpool à la fin de la saison, euh, il lui restait pourtant deux ans de contrat, il dit qu'il n'a plus l'énergie pour faire encore et encore et encore le boulot, il exprime son soulagement aussi, la réaction des joueurs a été excellente, c'est ce qu'il dit ce soir après l'avoir annoncé à ses joueurs il a tout gagné bien sûr sur le, le, le banc des Reds en huit en ans et demi, la Ligue des Champions, la Première Ligue la Coupe, la Coupe de la Ligue euh, bon, personne s'y attendait, hein, évidemment Lionel Kevin, euh, c est, c est, qui vous voyez lui, lui succéder Le nom de Xabi Alonso revient Alors, beaucoup, a, a, bien sûr. A, avant, de, avant de savoir qui va lui succéder, moi je voudrais quand même faire une ode à Jurgen Klopp parce que euh, bah, quel, quel manager, je l'ai jamais rencontré, mais quel, quel homme semble il, il semble être vraiment un homme extraordinaire euh, et l'énergie et euh, surtout la relation qu'il a créée avec ce public de, de, de Liverpool euh, qui est un public et un club particulier, euh, historique et, euh, et voilà, très passionné. Donc euh, franchement, quand tu vois cette vidéo... Euh c'est aussi le football qu'on aime qui, mmh. euh, qui s'arrête, en tout cas. C'est-à-dire que tu aimerais que les managers comme Alex Ferguson, euh, Arsène Wenger, Jürgen Klopp. Euh, Après, il n'a euh, pas Pep dit qu'il Gord... prenait sa retraite. Hein. Non, non, mais Pep Guardiola, tu as envie que quand ils sont autant identifiés à un club, en fait, tu as envie qu'ils restent quasiment pour toujours. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, bon, Jürgen Klopp, euh, il fait un choix de carrière qui, pour moi, et j'ai envie de le, de le, de le louer, c'est-à-dire qu'il est très, très honnête envers son club, envers ses supporters. Il dit tout simplement que bah, c'est le, le métier Lionel le sait mieux que moi, c'est le métier le plus difficile dans le football, qui prend le plus d'énergie. Il en a plus, et eh bien il laisse sa place. La semaine prochaine, bien sûr, on aura le temps d'y revenir en, en longueur hein, sur ce départ de Klopp. C'est ce, euh, ouais. euh, euh, ce qui me fait peur moi, mais vas-y rapidement Lio. Très très vite. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils prennent la Mannschaft. <laughs> c'est tout. Mm. Mm. Par contre, si c'est Xavi Alonso qui le remplace, euh, ça peut être une belle histoire aussi. Ça me fait peur pour les Français, hein, parce que je pense ah. que la Mannschaft va être redoutable. Mais euh, non mais c'est pas si prévu que la pompe. la monte pour l'instant hein. Non 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 enfin, pas, pas sera du tout mais jusqu'à l'euro. Ouais. Voilà.